télé, je me disais que c'était cool. Et avoir les copains sauter, prendre du plaisir, bah, ça m'a donné envie. Je voulais essayer, puis ça m'a plu, donc j'ai continué. L'air, elle te souffle, elle te porte. C'est classe. On est un peu accro à l'air, après c'est... On a envie de voler, d'aller plus, sur les plus en plus gros tremplins. Cette sensation de voler, de toucher le sol, surtout sur les gros tremplins, ça, c'est vraiment du bonheur. Enfin, moi j'adore ça, puis ça donne encore plus envie d'aller sur de plus en plus haut, quoi. Il y a cette notion de plaisir dans le saut qui est exceptionnelle. Elle procure tellement de sensations, c'est un plaisir incroyable. Ah, donc un gamin, c'est vrai que tu as envie de lui faire découvrir ça. Lui faire découvrir, écoute, tu vas voir, quand tu vas progresser, que tu vas monter sur les gros tremplins et vraiment voler, quoi, tu peux plus décrocher ça. Donc ça, c'est quand même un facteur hyper motivant pour un gamin. Et transmettre ça, pour moi, c'est déjà transmettre une passion. J'ai toujours adoré sauter les bosses quand j'étais en ski alpin, et j'ai toujours aimé déjà la compétition, le ski, moi j'étais à fond là-dedans et pareil, j'aimais bien essayer d'aller sauter le plus loin. Donc quand j'ai su qu'il y avait un sport pour ça et que je pouvais le faire chez moi, j'ai tout de suite foncé et ce que je trouvais cool, c'était vraiment l'ambiance qu'il y avait. On était vraiment entre potes, on s'amusait et on progressait tous ensemble, donc c'est ça qui m'a fait kiffer quand j'étais plus petit, je pense. C'était aussi la bande de copains, on allait ensemble faire du saut et on partait tout en haut de l'élan et en fait on n'avait même pas besoin de déchausser parce que le téléski nous montait et nous emmenait directement, on ne déchaussait pas, on y allait, donc c'était un manège, on enchaînait et puis depuis je suis fou de ça. C'était des sensations que j'avais jamais eues donc c'était tout nouveau pour moi et ce que je trouvais fun, c'était de descendre l'élan, d'aller un peu vite et de pousser, d'être en l'air. Enfin, ça m'a tout de suite plu, quoi. Le saut à ski, c'est un sport ludique et c'est vraiment du plaisir avant tout. C'est très spectaculaire, mais c'est dans un enclos très sécurisé avec une préparation de tremplin très, très affinée. Pas si dangereux que ça. La formation dans les clubs, dans les comités, elle est très très progressive. C'est-à-dire qu'un gamin, avant de vouloir faire du saut, il faut qu'il soit coordonné, qu'il ait de l'équilibre. Et de là, il fait du saut. Il peut faire très bien un peu ce qu'il faut, un peu de ski alpin, un peu de saut, et petit à petit se spécialiser dans sa discipline. Pour faire du saut à ski, il faut avoir un niveau de ski suffisant qui se rapproche du niveau 3e étoile, savoir faire une trace directe dans une pente et s'arrêter tout seul. Ensuite, c'est via les ESF. Vous pouvez pratiquer l'aiglon avec un moniteur diplômé. Ou vous pouvez vous licencier dans un club avec un entraîneur qui est formé pour ça. Voilà, bien là, on pousse avec les jambes. Au départ, c'est des petits tremplins en ski alpin. On n'attaque pas tout de suite avec du matériel spécifique ski dessous. Une fois qu'on est suffisamment équilibré, qu'on a des bons fondamentaux, on passe avec du matériel de ski dessous sur des petits tremplins. Et ensuite, progressivement, on monte les échelles. C'est tellement progressif que du coup on se rend pas compte de ce. Il n'y a plus vraiment cette notion de risque, il y a plutôt une notion d'excitation qui est présente dans le saut. La sécurité et le plaisir sont toujours mis en avant et en fonction de l'évolution du jeune, on va gravir petit à petit les échelons pour pouvoir appréhender le tremplin de la meilleure des façons. On commence par faire des réceptions sur les petits tremplins et puis plus on grandit, plus on est à l'aise avec les tremplins plus grands, plus on peut monter. C'est au fur et à mesure, c'est pas immédiat. Ça prend du temps, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Là, les sensations de voler, sentir la pression sous l'air, j'ai vraiment tout de suite accroché, quoi. On a une évolution qui va aller du tremplin de 25 mètres au 40 mètres, puis au 60 mètres. Puis on arrive sur les tremplins de 90 mètres, qui sont les tremplins olympiques, sur lesquels on commence vraiment à voler et acquérir des sensations assez grisantes de vol. Et pour les meilleurs sauteurs, c'est le vol à ski sur les tremplins géants, sur lesquels les sauteurs sont capables de faire plus de 250 mètres.
sur un gros tremplin, il y a beaucoup de frottement avec l'air, ce qui fait que on peut se permettre de s'étaler sur l'air. Et c'est vraiment une question de feeling. On voit les lignes défiler en dessous de nos pieds, les lignes qui représentent les mètres. Et là, c'est que du pur bonheur, on profite, quoi. Voilà, les sensations, l'impression que le temps s'arrête en vol. Il y a des moments où ça te met simplement les frissons et c'est un moment magique, quoi. C'est vraiment une sensation de légèreté, de portance, et on a vraiment l'impression de voler. Une sensation qui est hors norme et qu'on cherche tout le temps, en fait. Et on a envie d'aller le plus loin possible, donc on est toujours en train de repousser ses limites, de gratter les mètres. C'est vraiment une sensation qui est difficile à décrire, mais qui est extraordinaire. On a l'impression de se rapprocher un peu des oiseaux, en jouant un peu avec l'air. Et après, je pense que dans ce sport où on peut vraiment toucher à ces sensations, c'est magique. C'est ce qui nous rend accro, ces quelques secondes qui paraissent une éternité. On est dans un autre monde. C'est des sensations que j'ai retrouvées nulle part ailleurs, en tout cas. C'est assez extraordinaire. Ouais. C'est hyper plaisant, même quand tu sors de la table, tu sais que tu vas aller loin. C'est une sensation qui est ouf, quoi. Et c'est vraiment bien. On a vraiment envie juste d'une chose, c'est d'y retourner et de recommencer encore et encore. Une fois que j'ai commencé à faire du saut, j'avais plus du tout envie de m'arrêter, quoi. On veut faire qu'une chose, c'est y retourner. On essaye aussi de guider les jeunes sur le plaisir de notre sport, qui est un sport très grisant, où on se fait facilement plaisir, mais aussi le plaisir des choses différentes qui font partie de l'apprentissage, des choses simples, savoir mettre en place des choses pour avancer, le plaisir du travail bien fait, le sentiment d'avoir fait ce qu'on avait à faire. Donc toute forme de plaisir est nécessaire pour réussir à très haut niveau. Je pense que tout le monde est capable, c'est juste, il ne faut pas se fixer de barrières, quoi. C'est avant tout la passion du sport et l'envie de progresser. C'est une motivation, c'est une implication de l'athlète de tous les jours et qui fait que voilà, il se construit petit à petit, il fait confiance au système qu'il y a autour de lui, il se fait confiance. Et puis passer des petites marches qui font que petit à petit, il arrive à performer de plus en plus haut. Forcément, au début, il y a un peu d'appréhension, mais c'est ça qui fait que c'est bien, quoi. C'est du bonheur. Dès qu'on a fini notre premier saut, on a envie de remonter en courant. C'est vraiment super. Finalement, on dompte sa peur, et puis arrivé en bas, on se dit, mais c'est tellement génial. C'est un mélange de peur et d'envie. Et c'est ça aussi la sensation en bas du tremplin. C'est avoir surmonté la peur, la difficulté. Et finalement, on est content parce qu'on a réussi quelque chose. On joue tellement sur des facteurs émotionnels à travers la discipline du saut-ski. C'est pour ça que tout le travail en amont, hein, de préparation et de finesse dans les placements, on doit pouvoir être à la fois sérieux dans les placements et dans la mise en place de notre préparation physique et technique, mais à la fois de la décontraction. On a besoin de décontraction pour être performant aussi au tremplin. Ça doit être du naturel et se faire confiance au corps qui a enregistré ses bons automatismes pour être capable de le maîtriser dans toute situation. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Le saut à ski apprend vraiment à se surpasser, apprend un petit peu à oser passer ses limites, et puis tout avec un équilibre qui fait que c'est aussi un équilibre de vie, avec une hygiène aussi, donc c'est assez complet comme sport. Ce qu'on va apprendre tout au long du parcours, c'est les valeurs de notre sport. On apprend les règles, on apprend les règles de sécurité, le bien vivre ensemble. On va développer des habiletés physiques, des habiletés techniques qui vont permettre d'être performants. On va apprendre à ses enfants à surmonter justement des obstacles et rebondir après un échec. C'est un sport qui nécessite du dépassement de soi, de la remise en question, de vraiment travailler sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi. Et c'est des choses qui seront très importantes pour ces garçons, pour ces filles, dans leur vie future. Et je pense que c'est un sport qui leur permet vraiment de développer ces qualités-là. On apprend à se gérer, à gérer ses émotions et à gérer le stress. Et je pense encore plus avec le saut à ski. Il faut toujours se remettre en question, il faut toujours travailler, savoir, même si une chose est acquise, elle n'est pas acquise à vie. Et ça peut aider dans n'importe quel aspect de la vie.
c'est le respect des autres, c'est le respect du sport, c'est le respect aussi de l'équipe, parce que c'est vrai qu'on vit souvent et longtemps ensemble, et voilà, c'est des choses, je dirais, toutes bêtes, mais qui font que bah, c'est une école de la vie.